Tous les jours, je reçois de nombreux messages de personnes qui me disent, Claudel, il y a tel qui te copie. Il y a telle personne qui fait des vidéos comme toi. Il y a telle personne qui a copié ton texte et qui a publié cela sur sa page. Il y a tel dans votre environnement là, il fait la même chose comme toi. Il a les mêmes mimiques comme toi. Il débat sur les mêmes thèmes que toi. Il publie les vidéos comme toi. Il organise les événements comme toi. Il s'habille comme toi. Il marche comme toi. On m'identifie sur des vidéos. On m'identifie sur des publications pour dire, Claudel, celui-ci te copie. Celui-ci fait comme toi. Celui-ci s'inspire de ce que tu fais. Soyez originaux. Ne copiez plus Claudel. Vous savez quoi? Fichez-nous le camp. Ne m'écrivez plus jamais pour me dire ça. Mais ce n'est pas possible. Vous pensez qu'il existe des générations spontanées? Vous pensez qu'il est possible de créer quelque chose sans s'inspirer de ce qui existait déjà avant? Vous pensez que c'est possible de se lever, d'apporter une innovation dans un domaine sans s'inspirer, sans copier ce que les autres ont fait afin d'y apporter une touche nouvelle? Vous pensez que c'est possible? Arrêtez de saouler les jeunes. Arrêtez de saouler les personnes qui veulent nous apporter quelque chose de nouveau. Arrêtez de saouler les gens qui veulent contribuer eux aussi à leur manière. S'ils s'inspirent de ce que je fais, mais pourquoi vous voulez leur en vouloir? Pourquoi? Moi-même, je ne copie pas. Moi, je copie. Je ne cache pas. Je copie. Je copie, mes amis. On nous a appris à l'école qu'il faut composer comme ça. C'est du bullshit. Ça ne fonctionne pas dans la société. Parce qu'en entrepreneuriat, on doit travailler ensemble. On doit s'inspirer de ce que les autres font. Après, on va y apporter notre touche. Mais on doit d'abord s'inspirer de ce que les autres font. Et s'il faut copier ce que les autres font, copions. Mais ce n'est pas possible. Tous les jours, vous dites la Chine est montée, la Chine est descendue. Vous savez que la Chine copie les villes en Occident? Vous savez qu'on a reproduit Paris en Chine, identique jusqu'à la tour Eiffel? Vous savez que les Chinois copient tout ce qu'ils voient et c'est maintenant qu'ils y apportent leur touche personnelle. Pourquoi vous voulez torturer les jeunes? Mais ce n'est pas possible. Mais pourquoi vous êtes méchants? Si vous n'arrivez pas à apporter une touche nouvelle, laissez les gens copier. Moi, je copie, je ne cache pas. Si quelqu'un fait quelque chose qui m'inspire, je trouve que c'est intéressant, je copie. S'il trouve que c'est un problème, qu'il porte plainte, on va aller se défendre. S'il a la propriété intellectuelle d'une idée, il va nous démontrer cela. Mais ce n'est pas possible. Tout le monde s'inspire des autres. Tout le monde prend un peu chez les autres afin de concocter cela comme un puzzle. Pour que ça donne une mosaïque de quelque chose de nouveau. Tout le monde part de quelque part pour devenir quelque chose de nouveau. Arrêtez de saouler les gens. Si vous avez peur d'être insulté, mais dégagez, ne nous écrivez plus. Si vous avez peur de partager vos connaissances parce que vous avez peur d'être insulté en ligne, mais fichez-nous le camp. Arrêtez de saouler les gens. Moi, je copie et les gars, copiez, les filles, copiez. Si vous voyez que je fais quelque chose qui vous inspire, copiez tout, copiez même mes livres. Je les publie en vidéo en ligne. Je publie mes formations en ligne. Je publie les extraits de tout ce que je fais en ligne. Mes livres sont disponibles en fichier PDF partout dans tous les groupes WhatsApp, Telegram, partout en ligne. Je m'en fous parce que la connaissance en Afrique doit être distillée au maximum de personnes. Nous avons besoin des milliers de personnes qui font les minuscules choses que je fais au quotidien. Je ne suis qu'un médiocre. On a besoin des gens excellents. On a besoin des comptables excellents qui prennent la parole. On a besoin des personnes intelligentes qui prennent la parole. On ne veut plus que les idiots et le divertissement nous dominent. Et vous voyez quelques jeunes qui se lèvent, qui essayent de ne plus tomber dans le divertissement pour pouvoir apporter une plus-value intellectuelle. Et vous passez le temps à leur dire, vous copiez, fichez le camp. Mais ce n'est pas possible. Mais quel pays de... Ne m'écrivez plus jamais pour ça. Si quelqu'un m'écrit encore pour ça, si quelqu'un m'identifie encore quelque part pour dire, celui-ci te copie, je le bloque directement, même dans la vie réelle. Mais ce n'est pas possible. Bullshit.